Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné pour une 20e journée d'un mois dans mon bullet journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors oui, c'est ça, 20e journée, déjà le 2/3. Wouhou! Je suis fière de moi, vous avez même pas idée. Donc, on est ce soir, lundi le 19 octobre, et comme à mon habitude, je vais faire ma petite routine. Alors, ce matin, je suis allée à mon rendez-vous, j'ai retiré des sous, j'ai publié mon tag des habitudes de lectrice. J'ai commencé à filmer mon plan with me, j'ai pas fini, mais bon, c'est pas grave. Puis le reste, non. Puis de l'autre côté, si on se rappelle, ben il y avait rien, c'était ma page d'idées de rendez-vous amoureux. Alors, je vais venir faire ma journée de demain ici. Puis là, je pense que je vais sortir le wash tape parce que ça fait un petit bout que je l'ai pris. Surtout ça avec les petits renards, là. J'ai vraiment envie de faire ça. Fait que j'y vais. Bon, fait que j'ai rajouté le petit collant qu'il y avait dans le kit d'autocollant de la forêt enchantée. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie parce que en cette semaine pluvieuse, mon Dieu, que je me dis que c'est approprié. Demain, j'ai mon rendez-vous pour mes pneus. Alors, faut pas que j'oublie ça. Faudrait que je commence à compiler les réponses que j'ai eues pour le sondage. Puis aussi la même chose pour l'échange de cadeaux. Puis comme ma liste de choses à faire ici est toujours aussi immense, ben je pense que ça va s'arrêter là. On va juste rajouter le montage de cette vidéo. C'est fou quand même, le temps va assez vite. Hein. Ce matin, ma routine, je vais me donner comme une moitié parce qu'il était vraiment tôt que j'ai dépensé puisque j'étais allée me chercher à dîner. Je me suis même pas crémée. Aujourd'hui, par contre, après le souper, j'ai rangé. J'ai travaillé sur Signée Daphné. Pas vraiment bougé, j'ai pas bien mangé, puis ma routine d'hier, ça a bien été. J'ai oublié quelque chose! Ma gratitude! Ouais, ben j'ai la tête. Je pense qu'aujourd'hui, je vais dire que j'ai de la gratitude pour mon imperméable qui est confortable et qui me protège de la pluie. Parce que Alex a fait le souper, c'était tout prêt quand je suis arrivée de travailler ou presque. Ça, c'est le fun. Et là, pour ceux que ça intéresse, Piqué est revenu faire une autre apparition hier pendant la nuit. Il restait un petit bout. Alex a réussi à le flatter. Il avait toujours pas l'air maigre, mais toujours comme pas une attitude qui ressemble au Piqué qu'on connaît. Puis vers 7h ce matin, quand je suis partie, il demandait tellement la porte que Alex m'a dit de se sortir. Donc, qui sait quand est-ce qu'on le reverra? Ça me flabbergaste, cette situation. Puis là, ben, aussi, faut que je rajoute un nouveau souvenir. Parce que aujourd'hui, nous avons appris que nous aussi, dans le nord de la Naudière, on tombe en zone rouge. En fait, pas ma MRC. Moi, ma MRC où je suis, à Saint-Jean-de-Mata, on est encore dans le orange, mais celle où je travaille, qui est à 8 km de chez moi, tombe dans le rouge. Alors, c'est un peu débinant là, aujourd'hui. Alors, il faut tout arrêter. Donc, un petit souvenir que je vais m'ajouter, là, genre confinement partout. Puis là, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui regardez, qui êtes déjà en zone rouge, puis qui vous dites, ben là, franchement, nous, ça fait longtemps, c'est pas grave. Mais remettez-vous là, dans vos bottines d'il y a 2-3 semaines quand vous vous êtes fait dire que vous étiez
tombe bien en zone rouge. C'est un peu poche là quand même. Quoique, tu sais, c'est pas tant au niveau de ma vie personnelle parce que je faisais déjà très attention, je voyais pas grand monde en dehors de chez moi. Mais c'est au niveau du travail parce que les loisirs en zone rouge, ça arrête tout. Fait que là, c'est comme compliqué, puis c'est de calculer, rembourser des gens et tout et tout et tout. C'est pas grave, on va survivre. Puis un jour, 2020, on va en rire. J'espère. La dernière page qui resterait, c'est mon self-care bingo, mais j'ai pas fait grand chose là-dedans. Sinon, il y a mon tag des habitudes de lectrice qui est publié, donc je peux venir le cocher. Puis c'est pas mal ça. Bon, je me suis rajouté une petite déco, puis c'est sur ce que je vais terminer cette vidéo de la 20e journée d'un mois dans mon bullet journal. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à demain. Bye bye!